La main de Dieu se pose sur ton esprit. La puissance de Dieu se nivelle dans tout ton être. Chaque partie de ton être qui était retenue captive par le diable, je prie que cette dimension, cette partie-là soit libérée dans le nom de Jésus. Je communique à la puissance de Dieu dans tout ton être. Les malédictions soient brisées. Les condamnations soient brisées. Les condamnations soient brisées. Les chaînes de la mort, les chaînes de l'enfer se brisent. Les malédictions se brisent. La puissance de Dieu détruit chaque chose. Chaque lien qui devrait te détacter. Je vois la puissance de Dieu. Ça commence à se libérer dans son être entier. La puissance de Dieu. Il commence à détruire tous les blocages se détruisent. Je le prie au nom de Jésus. Non. Je le prie au nom de Jésus. Oh Baba Shanda Kababako. Oh Baba Shanda Kababako Narabakaya. Je te condamne, toi qui dis non. Je te condamne au nom de Jésus. Je te condamne au nom de Jésus. Je te condamne et je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Je t'envoie le feu. Sois maudit au nom de Jésus. Qui que tu sois, d'où que tu sois. Toi qui retenais cette vie captive. Je te maudis, je te maudis, je te maudis. Au nom de Jésus. Comme le figuier que Jésus sécha. Moi aussi je t'ordonne que tu sèches et que tu libères cette vie. Libère! Feu, je détruis tes racines. Je détruis les liens que tu as. Les deux que tu as mis en place entre toi et elle. Je détruis ce lien et j'ordonne qu'elle soit libérée. Qu'elle soit libérée. Roboboshe da kababako, Yobabashe da kababako, Robabashe, je détruis tout pouvoir de sorcellerie, tout ténèbres que vous avez communiqué à sa veille, tout ce qu'elle a consommé, j'ordonne que ça sorte. Yedababashe da kababako, Robakashe. Coria babaché. Veux. Tout ce que tu as volé, tu remets. Prenez ses papiers.
Qu'elle soit libérée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que chaque chose qui pose de la résistance sorte. C'est toi qui sais comment tu étais rentré dans ce corps. Et maintenant, au son de ma voix, j'ordonne que tu sortes. Je libère le feu dans sa vie. Feu, que la sorcellerie soit détruite. Les ténèbres soient détruites. Que les blocages soient brisés. Je vois le feu qui se libère dans ton esprit. Le feu qui se libère dans ton âme. La fin de Dieu touche ta tête. Touche tes yeux. Le feu de Dieu touche tes pieds et ta main. La puissance de Dieu commence à souffler en toi. Aucune chose cachée ne restera en toi. Chaque chose maintenant doit se manifester au nom de Jésus. Communique la puissance de Dieu. J'allume le feu. La puissance de Dieu, c'est chaque chose cachée sorte. Sorte.
Ce corps doit être libéré. Il est écrit comment ce corps est le temple du Saint-Esprit. Seul l'Esprit de Dieu doit demeurer dans son esprit, dans son âme. Voilà pourquoi j'y allume encore le feu. Le feu, 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 le feu. Je brise les malédictions et condamnations. Je proclame et prophétise la puissance de Dieu, la gloire et le règne de Dieu en elle. Et cela dans le nom de Jésus. Continuez de prier. Ancienne Dorothée, Baba caché. Oria Baba caché. Là où tu es caché, réveille-toi. Au nom de Jésus.
au nom de Jésus. Je n'amababako. Robabashe nakababako. Robatasha nanababashe. Oriababashe. Et babashe. Allez, tu sors aujourd'hui, tu sors. Tu sors aujourd'hui. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors. Tu sors aujourd'hui. Tu sors aujourd'hui. Je brise cette alliance. Je brise cette alliance. Pose encore tes deux mains dans Jésus. Cette alliance aujourd'hui se brise. Je maudis les ténèbres. Je maudis la résistance. Je détruis la résistance. Qu'elle soit brisée. Qu'elle soit brisée. Quel que soit comment, tu as pris du volume dans son être. Je te redressais. Je te redressis au nom de Jésus. Je te redressais. Et j'ordonne. 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 Que tu montes. Que tu montes. Que tu montes. Que tu montes. Tes racines. Je les brise. Tes racines. Sans pour toi, si tu veux être tranquille, sans pour toi, sans pour toi, sans pour toi, fais tes bagages, 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 tu n'as pas de place dans sa vie, tu n'as pas de place. Je te maudis, je te maudis, je te maudis, toi et ta force, et j'ordonne au nom de Jésus, au sang de ma foi, en qualité de serviteur de Dieu, que tu sortes. Oh Baba Shanda Kababako. Shoni Kababashi. Oh Baba Shanda Kababako. Oh Baba Shi. Roba bashe da kababako. Le trône de l'ennemi, je le détruis. Ces contrats qui ont été signés.
shanda kababaka. Onda kababa shenda kababako. Robaba shenda kababaka. La maison effondrée était comme en brique, mais la maison en train de se reconstruire est en pierre, qui représente la solidité. La solidité, c'est vous qui devez saisir la grâce que Dieu vous fait. Saisissez cette grâce et il se passera beaucoup de choses dans vos vies. Saisissez cette grâce. Vous allez faire un point à partir de ce temps où je vous parle de cette visitation. Saisissez cette grâce. Vous allez voir beaucoup de choses iront maintenant en se construisant. En se construisant, vous allez simplement lever les mains. Je veux beaucoup plus de personnes. Ancienne Dorothée, viens te mettre derrière au fur et à mesure que je suis en train de prier. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus, pour la babanga, pour la vie, c'est là. Yes, oh, tenez les gens là, s'il vous plaît. Là. Je dis, le Seigneur est là aujourd'hui. La puissance se manifeste intensément. L'équipe de sécurité, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Frère Jacques, tu viens avec moi, s'il te plaît. Rejoins l'équipe de sécurité, s'il te plaît. La sœur Elisabeth, tu rejoins l'équipe de sécurité aussi, s'il te plaît. Parce qu'aujourd'hui, c'est pour la babanga. Il est là. Le Seigneur est là aujourd'hui. Les malédictions se brisent aujourd'hui. La construction de Dieu se met en place. Au nom de Jésus, au son de ma voix, au son de ma voix, la puissance de Dieu, elle se libère. Que cette reconstruction, personne ne l'arrête. Personne ne va l'arrêter. Personne ne va l'arrêter. Dans le nom de Jésus. Soyez gentils d'enlever toutes les chaises que je vois là-bas. Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait pas. Hein, ça va être chaud là. Poussez-moi les chaises là-bas.
on va cacher. Kuriya babashe, Kuriya babashe,
Oh!
Ojete Meonori. Yesu Rakabo. C'est lui qui te dit. C'est lui le consolateur. C'est lui qui guérit. Et on se dit, il guérit. Il guérit. Il guérit. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Sécurité est derrière. Sécurité est derrière. Fais. Chez la Baco. Chez la Baco. La consolation. La restauration. La restauration, c'est aujourd'hui. La consolation. L'adversaire va disparaître. L'adversaire va disparaître. L'adversaire va disparaître. L'adversaire va disparaître. Fais! Sobamako. Bobabaché. L'adversaire disparaît, soyeux. Et je vois le ciel qui s'ouvre. Le ciel qui s'ouvre sur ma soeur. Et je vois la grâce de la consolation. Je vois l'éternel qui descend dans sa toute puissance. Et ta va marcher. Et ta va marcher. Quand il va marcher. Le bon marcher n'a qu'à ma bateau. Le bon marcher n'a qu'à ma bateau. Le bon marcher n'a qu'à ma bateau. Le bon marcher. Quand il va marcher. J'ai ma bacane, mon babaché, mon yababaché. La grâce elle est là, la grâce elle est là, la grâce elle est là. Allez, je la vois. Tenez, 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 tenez. La grâce elle est là, elle est là, la grâce. Tenez. Je brise les malédictions. Aujourd'hui là, et aujourd'hui, aujourd'hui là, le babaché, on y a babaché, le babacha n'a qu'à babaka. Fais! Voyez la puissance céleste. La puissance elle touche son esprit, elle touche son âme, elle touche tout son être. Donc je vois un grand poisson. Un grand poisson. Cet oiseau-là, je le vois. Il se déplace de continent en continent, de pays en pays. Et il atterrit souvent chez toi. Il vient voler. Il vient voler. Et je vois la puissance de Dieu qui vient lui parler le chemin. Parmi ceux de ta maison, il y a des gens que Dieu fera cette grâce. Qui fera ça? Qui fera ça? Un oiseau. Mais c'est un sorcier. Il travaille avec un sorcier. Donc il venait avec le but de venir voler des enfants. De venir voler. Il vient voler des vies. Il vient voler des vies. Et je vois des membres de la famille qui sont associés à cet oiseau. Qui travaillent. Mais la main de Dieu s'étend. La main de Dieu s'étend. Le chemin lui devient barré. Et ta maison
ta famille, elle va se mettre en mode de reconstruction. En mode de reconstruction. Jamais ta maison n'a été soudée de cette manière. Elle va se tenir la main dans la main. Et tu vas voir celui qu'on appelle le nom du germe. Le nom du germe. Dieu dans le nom du germe. Celui qui quitte tout bas, qui commence à germer, qui commence à germer. Tu vas le voir de cette manière. Tu vas le voir de cette manière. Je vois aussi quelque chose qui était lancé contre toi. Une maladie, un AVC, qui était lancé contre toi. Et la puissance de Dieu qui s'étend. Le chemin où tu étais passé, c'est là en fait. Ça a parlé, ça a reparlé. Et parmi les paroles qui étaient dites, il fallait qu'à un moment donné, au niveau de ta santé, que tu t'enfonces. Mais l'Éternel est dans sa main. Et il commence maintenant à te reconstruire. Le temps de la reconstruction sonne. Voilà pourquoi tu vas lever les mains. Et je vais prier. Au nom de Jésus, fais que la puissance de Dieu se libère en toi. L'Éternel manifeste sa puissance en toi. L'Éternel te remplit. Et l'Éternel déploie sa puissance pour reconstruire ta vie. Pour rendre ta vie très solide. Très forte. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis. En qualité de serviteur de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, je bénis la reconstruction. La reconstruction. Que Dieu est en train de commencer de faire. Je vois la puissance de Dieu qui traverse ton esprit. La puissance de Dieu qui traverse ton âme. La puissance de Dieu qui brise les condamnations et malédictions. La puissance de Dieu qui brise les liens de l'enfer. La puissance de Dieu qui brise la mort. La puissance de Dieu qui brise les condamnations. Fais que tu sois libéré. La puissance de Dieu, de la tête aux pieds. Vous avancez. Fais. Roba bashe,
Aujourd'hui, là, ici, là, c'est compliqué. Je vais d'abord donner une part à tous ceux qui nous suivent là, dans différents endroits, là où ils sont, ceux qui nous suivent, ceux à qui cette vidéo-là va arriver. Je vais demander à toutes ces personnes-là, où que tu sois, en Amérique, en Afrique, en Asie, en Europe, tu poses ta main sur ta tête. Tu poses ta main sur ton ventre. Ceux qui nous suivent, aussi loin qu'ils soient, parce qu'aujourd'hui, il est avec moi, il est ici. Et je veux prier là où tu es. Tu vas recevoir la délivrance. Je veux prier pour ces personnes-là qui nous suivent de loin. Mais attention à ceux qui sont là. Si ça te touche, tu accueilles. Sois libéré, quelles que soient les malédictions, quelles que soient les souffrances que tu es en train de vivre. Aujourd'hui, reçois la délivrance. Que la malédiction te quitte, les condamnations te quittent, les blocages te quittent, la pauvreté te quitte, et les démons qui apparaissent dans ta maison s'éloignent de toi. Je te bénis en qualité de serviteur de Dieu et je proclame et prophétise le règne de Dieu. Je prophétise le règne de Dieu là où tu es, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est Odie Tembe Omoni. C'est comme ça qu'il est Dieu. Il a dit, s'ils ne voient pas, comment croiront-ils? Et il m'a dit ce dimanche, ils vont voir. Ils vont voir ce dimanche. Ce pour qui je n'ai pas encore prié. S'il n'y a plus de place, cassez les murs. Mettez les autres personnes dehors. Parce qu'aujourd'hui là, ça va chauffer. Sois guéri. Que la mort te quitte. Feu. Que la mort te quitte. Retenez-la. Feu.
Que tu marches, que
tu marches, que tu ailles de l'avant. Que les blocages soient détruits. Et que tu connaisses véritablement la gloire de Dieu. Je te bénis en qualité de serviteur de Dieu. Et je prie que le ciel soit ouvert pour toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que l'Éternel te fasse toute la grâce d'aller de l'avant. Les blocages et les paroles incantatoires soient brisés et détruits. Tout ce qui est lancé contre toi soit consumé. Et que toi tu ailles de l'avant. Que tu demeures béni. Que la gloire de l'Éternel éclate en toi. Au nom de Jésus, que ta vie aille de l'avant. Que tu sois un fervent serviteur de l'Éternel. Oye Bansambi, que tu avances avec moi. Que tu sois totalement changé et transformé. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi. Et ma bénédiction aussi en qualité de serviteur de Dieu. Que ça repose sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen. On va avancer par les autres. Kababashi. 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 Oriababashi. Kababakoda. Yakababa. Yakababashi. Mababashi. Nababasha. Oriababashi. Kababakodo. Yobokoya. Oriababashi. Robakashi. Robamashi. Shanda Kababako. Chassez le choix. Chassez-moi les choix. Chassez-moi. Shenda Kababako. Robakashi. Shanda Kababako. Robokoya. Chassez le choix. Ribamashi. Shakababasha. Essuyez seulement vos visages avec ce mouchoir-là. Shena kababa, shena rababa, baba, baba, baba. Laisse-la, il va se débrouiller. Rababa, shena kababa, konda, ya baba, shena. Rababa, shena kababa, kondo, yo, boko, ya. Konya, baba, shena, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Feu, chaud, ya baba, shena. Feu, chaud, baba, shena. Shababa. Shababako. Shababako. Shadakababako. Konya babashe. Konya babashe. Rubabashe nakababako. Konya babashe. Rubabashe. Shadababako. Shadababako. Sécurité et vigilance. Shada Babako. La puissance de Dieu est déjà dans les mouchoirs qui lui tiennent là. L'onction de Dieu se libère. Se libère en eux. L'onction de Dieu se libère. Les mouchoirs dans leurs mains libèrent la puissance de Dieu en eux. Et le feu commence à s'allumer. Et... Roba marché. Sécurité, levez-vous. Vous êtes où? La sœur Clavie, viens. Le frère Damien, viens. Tenez là-bas.
Surveille-la. Elle va bientôt tomber là.
Le géant là doit partir. Le géant qui l'habitait là doit partir. On va marcher. On y va marcher. On y va marcher. On va marcher. On va marcher. On va marcher. On va marcher. Puissance de Dieu. L'univers qui sa majesté. Chante tout. La puissance. Force et gloire à l'agneau. À l'agneau. Il volait. Yes! À l'agneau. À l'agneau. Il volait. Encore! Les anges, sa sainteté. Est-ce que l'église peut se réveiller? On va chanter. Christ sa majesté. Chantons. Chantons par les puissants. Force et gloire. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau. À l'agneau, pour les anges, sa sainteté. Eh, y'a ma marché, ta baba, baba, baba. Pour mon marché, pour y'a ma marché, pour ma marché, pour ma marché, pour y'a ma marché. À l'agneau, il volait. À l'agneau, il volait. Il est cababaché. Reculé devant le vent de la croix. Ils sont en train de reculer là. Devant la lourde immolée qui s'est versée pour moi. Yes! Les ténèbres reculées devant le Kaba
Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens pour lesquels je n'ai pas encore prié, ils vont avancer rapidement. Elle a vu l'échelle et je voyais le ciel comment il était ouvert. Et ce que j'allais dire à l'église, merci à Dieu qui te redonne le même message. Allez-y dire aux gens, venez et voyez. Venez et voyez. Nous allons recevoir notre bien-aimé qui arrive pour la première fois. On va acclamer très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur et on va le laisser se présenter. C'est le frère. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis le frère Daniel. Christian, Daniel, j'ai été invité par les trois jeunes frères et sœurs, Megan, le pianiste, et Jared. J'étais à la gare en train de jouer le piano par hasard, et puis bon, ils m'ont interpellé, on a échangé, on a vraiment partagé grand chose. Ils m'ont demandé de venir à l'église pour essayer de parler de la parole avec vous. Voici, j'ai vraiment aimé. Je bénis le Seigneur pour ce rendez-vous qu'il a organisé dans sa préscience. Amen. Nous recevons le nom de Jésus. C'est la première fois, on espère que ce n'est pas la dernière. Nous, c'est la mission mondiale des messagers de Jésus-Christ, qui veut dire 3MJC. Donc, on travaille beaucoup plus dans la restauration de la relation de l'homme avec Dieu. Donc, cette relation qui se brise souvent en permanence par le péché. Et donc nous travaillons pour la reconstruction de cette relation, que l'homme soit, qu'il soit, l'expression qu'on utilise souvent, que le conflit cesse avec Dieu et qu'il soit réconcilié. Donc nous travaillons beaucoup plus dans cette réconciliation. Ça fait qu'on parle beaucoup de délivrance, on parle beaucoup du renoncement au péché, tout ce qui est ténèbres. Et l'attachement fort à la parole de Dieu. Et nous croyons fermement à la puissance de Dieu qui délivre et qui guérit, qui bénit. En tout cas, on a été bénis par la touche du piano. Tellement je suis vraiment béni. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Et puis on peut saluer notre frère. On peut se lever. Venez le saluer. Venez le saluer. Manifestez cette chaleur. Manifestez cette chaleur. Soyez vraiment bénis. Soyez vraiment bénis. Il y a un témoignage. Ah oui, mais on le salue d'abord et puis il va faire son témoignage. Oui, bien sûr. Oui. On reste attentif au témoignage. Bon, vite fait. Bon, en fait, moi je suis un enfant de Dieu. Chrétien depuis longtemps. Mais j'ai passé des moments assez difficiles dans ma vie où j'ai eu à en vouloir à Dieu, ce qui est mauvais. Je traversais des moments comme la dépression au quotidien et j'avais tendance à abandonner la foi. Chaque fois, j'essaie de me relever de la dépendance que j'avais vis-à-vis de cigarettes, alcool et tout. Bon, ce qui fait en sorte que je m'en voulais à moi, j'étais emprisonné dans une bulle, quoi. C'est-à-dire, je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Je me culpabilisais à chaque fois que je voulais prier et du coup, je me retrouvais en train de fuir la réalité. En évadant dans ce qui est de la débauche en fait. Mm-hmm. C'est ainsi que hier, par exemple, j'étais dans ce mood-là, lorsque je jouais à la gare. Et vraiment, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais Dieu a voulu que la sœur soit là en train d'évangéliser une autre femme qui était à côté de moi quand je jouais. Je jouais une musique, je jouais Céline John. Moi, je jouais tout, quoi. Et puis elle m'avait vu, elle s'est dit, est-ce qu'il est chrétien ou pas? Bon, c'est ce que je disais en elle. Non, elle ne sait pas que moi je suis beau, j'étais quand même chrétien avant de faire ce que je faisais. Bah, du coup, directement, l'esprit de Dieu m'a interpellé. Bien que je ne me vis vraiment pas bien, j'avais toujours des remords.
L'esprit me rappelait à chaque fois que ma vie, que la vie que je mène, c'est pas celle qui te mérite en fait. Et je m'en dis, c'est une réalité. Et du coup, l'esprit m'a interpellé, je me suis mis à changer de mélodie. Je me suis mis à jouer une musique chrétienne de gloire en gloire. Et curieusement, c'est ce qu'ils étaient en fait, aussi, c'est ce qu'ils étaient en train de chanter avec la personne dont ils évangélisaient en fait. Comme par hasard, enfin pas par hasard, par mystère, quoi. C'est Dieu qui a voulu. Et du coup, je me suis mis à juste chanter et puis ils m'ont approché, ils m'ont entretenu, je leur ai expliqué mon problème. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette envie de leur parler parce que le témoignage du frère était similaire au mien. Il m'a dit, il m'a raconté sa vie, il m'a dit, il veut la vie que moi je vis actuellement. Et je me suis dit, bon, si un chrétien a pu se débarrasser d'une vie pareille, pourquoi pas moi aussi, hein? Peut-être qu'il y a une seconde chance. Et bah, allez-y. Bon, voilà. Il vaudrait mieux d'essayer. Et du coup, vraiment, leurs enseignements ont été vraiment très enrichissants. Honnêtement, par là, c'est l'esprit de Dieu qui me parlait au travers d'eux. Et... En fait, moi, je suis quelqu'un qui n'est pas très. Enfin, je ne vais pas dans l'église pour aller. Je suis très sceptique, en fait. Donc, c'est vrai que je suis musicien dans l'église depuis longtemps, mais je suis très. Je n'y vais pas n'importe où. Donc, si je vais vraiment, ce n'est pas parce que je veux vanter, mais c'est Dieu qui m'a parlé, en fait. Sinon, je peux rester un an, je ne vais nulle part si Dieu ne me parle pas. Parce que moi, je suis un Thomas. Hein. Je suis un Thomas. Et du coup, bon, voilà, je bénis Dieu parce que vraiment, ils m'ont amené à abandonner la cigarette, l'alcool et tout. Et j'ai senti comme un poids descendre en moi et honnêtement, je me suis délivré, quoi. Amen. Je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Encore merci à Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Je chanterai de tout cœur. Les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Ma trousse, je chanterai de tout cœur, ma trousse, les merveilles de mon papa Yahweh, qui m'a ôté des ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre dans la vie. Mon papa est fidèle. Est-ce qu'on passe à la main? Chacun, comme ce que dit la parole de Dieu, viens et vois. Invitez aussi vos frères, amis, connaissances, qu'ils viennent expérimenter la main de Dieu au milieu de nous. Amen. Nous gardons la même atmosphère. Ça fait des années et on va continuer. L'Éternel va continuer de nous assister. Donc je vais faire la prière de la clôture. Éternel notre Père, nous arrivons à la fin. Je bénis encore ton peuple ici présent. Je proclame et prophétise ton règne. Je proclame et prophétise ta puissance dans la vie de tout un chacun ici présent. Là où il y avait des malédictions, des condamnations, je prie au nom de Jésus que ces malédictions soient brisées, ainsi que les condamnations. Et cela dans le nom de Jésus. Quels que soient les décrets des sorciers, des magiciens, des satanistes qui ont été signés contre la vie de mon frère et de ma sœur, je brise ces décrets. Je les annule.
je les cloue à la croix de Golgotha. Parce qu'il est écrit qu'il a déchiré l'acte qui nous condamnait et il a cloué sur la croix de Golgotha. Je prie au nom de Jésus que l'onction que tu as reçue en ce lieu demeure en toi toute cette semaine et jusqu'à la fin des temps. Je prie que tu rentres dans la dimension du sacré. Je prie que l'Éternel fasse que tu rejettes tout ce qui est profane, que tu sois une nouvelle personne, que tu marches en préservant les grâces, les acquis, les faveurs que nous recevons de Dieu. Je prie que tu ne te prennes pas à la légère. En ce lieu, le ciel s'est ouvert et tu as reçu une part, une portion particulière. Sache que cette portion, ce que Dieu veut, c'est que tu la gardes jusqu'à ce que ta coupe, elle, déborde. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis. Je chasse la mort loin de toi. Je chasse l'enfer loin de toi. Je détruis le pouvoir des maladies. Je détruis toutes les puissances et esprits qui marchent derrière tes problèmes, qui marchent derrière tes maladies. Je les chasse très loin au nom de Jésus. Et je proclame et prophétise la paix de Dieu et la vie qui vient de Dieu en toi. Et cela dans le nom de Jésus. Là où les gens ont échoué, les membres de ta famille, la société, toi tu ne dois pas échouer. Tu dois réussir, tu dois avancer dans le nom de Jésus. Tu deviens enfant de Dieu, tu ne dois plus ressembler aux malédictions familiales ni aux malédictions sociétales. Si les gens ne se marient pas dans ta famille, si les gens n'avancent pas, si les gens ne sont pas en bonne santé, moi, j'ordonne que ces étiquettes-là te quittent au nom de Jésus et que toi, tu puisses revêtir l'identité d'un enfant de Dieu, l'identité d'un enfant de Dieu, l'identité de grâce, l'identité de puissance, l'identité de vie, l'identité qui te vient de l'Éternel, notre Père. Et cela dans le nom de Jésus. Je prie que toute arme forgée contre toi soit rendu nul et sans effet. Et toute prison qui enfermait quelque chose de toi, que ces prisons-là s'effondrent. Et que ces choses sortent et que ça te soit restauré. Et cela dans le nom de Jésus. Je te bénis. Je bénis ta maison. Je bénis ta vie sociétale. Je bénis tout ce qui t'appartient. Et cela dans le nom de Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera. Ni aucun fléau ne t'atteindra. Amen. Mais tous tes pleurs vont commencer à être changés maintenant en joie. Amen. Que l'huile de l'Éternel coule en toi. Amen. Et que la joie commence maintenant à s'installer. Que tu aies réponse à tous tes problèmes. Amen. Et cela dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Je te bénis. Te remets dans la main de Christ. Toi et toute ta famille. Amen. Et cela dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel marche avec toi. Et cela incessamment. Toutes les portes que la sorcellerie avait fermées, que tu n'arrivais plus à ouvrir. Maintenant, que la puissance de Dieu en toi ouvre ces portes-là et que tu avances, que tu prennes ce qui est à toi. Et cela dans le nom de Jésus. Tu vas répéter après moi. Oui, la grâce et le bonheur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Aucun malheur ne m'arrivera, ni aucun fléau ne m'atteindra. Mais l'Éternel marchera toujours avec moi pour me faire du bien. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. 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 On peut acclamer très fort le Seigneur. On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort.